promis, je vous reprends. Nous nous apprêtons à faire ma coloration. Vous vous souvenez, j'ai fait une mèche là dans un des précédents vlogs foncé. Elle a, comme j'ai déjà lavé mes cheveux, elle, du coup elle a un peu décoloré. J'aime pas trop mal le rendu. J'ai fait ma patine sur tous mes cheveux, mais bon là, si vous voyez un peu, genre j'aime beaucoup, mais quand même. Je vais faire tout le bas de mes cheveux comme ça. Parce que je pense pas que j'ai assez pour faire toute la tête. J'ai pas envie de faire toute la tête, je suis pas encore prête. Je voulais faire moitié brun, moitié châtain foncé. Donc châtain clair, blond, mais en fait j'ai la racine, ça va faire chelou et tout. Donc pour l'instant je fais tout le dessous des cheveux, si mon reste je ferai peut-être les mèches de devant ou un contour, on verra bien. Donc là je m'apprête à faire ça, je sacrifie mon t-shirt Friends que je ne porte plus parce que sinon je vais en avoir de partout. Je n'ai pas de gants donc on va essayer de faire avec un sac poubelle, ça va être génial, vraiment. Du coup j'ai préparé ma mixture, je voulais aller chercher des gants à Lidl mais en vrai, vraiment flemme, je vais me débrouiller comme ça. J'ai pris tout mon châtain clair avec l'oxydant. J'ai pas un sac poubelle genre comme ça, c'est des sacs de couche que je prends pour terre. Et je vais faire comme ça, on va se débrouiller. On va pas aller acheter un gant. J'ai la flemme, je vais le faire maintenant. Ben go, c'est parti. En plus, j'ai pas du tout lissé mes cheveux. Enfin, vraiment, la meuf fait n'importe quoi. Non, mais là, j'ai pas beaucoup de cheveux à faire. Ça va le faire, ça va le faire de ouf, ça va le faire. Peut-être quand même mettre du papier alu, parce que je me vois pas faire ça dans mes mains. Je vais avec le sac poubelle, allez, vas-y. Que je suis en train de faire n'importe quoi, et si je le scotchais sur ma main, genre en mode c'est un gant, parce qu'en fait j'ai peur que ça tâche mes mains sinon et mes ongles. C'est parti pour faire absolument n'importe quoi. Je vais pas trop faire mes racines parce que c'était trop foncé. Mais je... oh non, le tapis, catastrophe, quel drame. Je me suis un petit peu emballée. Et j'ai fait de la merde. J'ai fait le tout le derrière, j'en ai plein partout, on s'en fout. J'ai fait des mèches de... J'ai isolé dans du papier alu parce que je voulais pas en avoir plein la tronche. Voilà. J'avais pas de gants, je vous ai dit. Et du coup, j'ai bien nettoyé mes ongles, ils sont en train de virer. C'est tout dégueu, surtout le pouce là. C'est ignoble, j'espère que ça va partir parce que je refais pas mes ongles avant le 19. Voilà, oh, bon écoutez, j'attends un petit peu. Pff, du coup, je vais rincer devant avant de... Enfin, je fais de la merde, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. On voit le rendu après, j'ai un peu peur. Qu'on se le dise, j'ai fait de la merde. Je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Attendez. Donc ça donne ça. Le seul truc, c'est qu'en fait, les couleurs ne vont pas du tout ensemble. C'est tout ce que je déteste, le blond et le foncé comme ça, là, qui... dépité. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai été non mais attendez, parce que revenons-en quand même, c'est que j'ai pas laissé poser assez longtemps devant mais beaucoup trop derrière, donc derrière c'est très foncé et là il y a du blond qui a pas pris, j'ai pas dû mettre le produit, je pense que vous voyez ce que j'ai fait, catastrophe. Bon, si j'attache ça passe et tout, là je suis en plein regret hein. J'ai été acheter ça, Camille m'a dit d'acheter ça, j'ai pris du châtain clair pour recouvrir le blond. Parce que je peux rester comme ça, clairement, avec deux couleurs. La meuf très indécise. Je suis dépitée, je déteste. C'est horrible. Je commence à regretter de ne pas avoir gardé mon blond. On y est. Bon, là, je suis pas maquillée. Je suis HS et tout, mais... Donc, je vais normalement faire... Je sais pas, on va voir. Il faut que je prenne le temps de me poser 5 minutes et de réfléchir à ma connerie. Donc, je vais chez Camille. J'ai chaud. On va manger. En plus, ils font barbecue. Donc, c'est parfait. Et on va voir si je fais ma coloration ou pas. J'ai ramené, parce que j'ai trouvé... la dernière bouteille de coca vanille chez Carrefour. Donc je ramène ma petite bouteille de coca vanille. J'ai trouvé ça aussi pour genre le dessert. C'est des guimauves, mais 40 barres. Je vous dirai ce que ça vaut. Et puis let's go. Vous êtes choqués, hein? Moi aussi. Je crois que je vais pas m'y faire, je vais pas y arriver. Bon après j'ai pas le choix. Je vous ai pas repris hier soir parce que donc bah du coup j'étais chez Camille et elle a fait ma couleur. J'avais pris un châtain clair fondant, donc du coup c'est censé être, c'est un peu plus clair que mes mèches de devant et que mon dessous. Ça devrait s'estomper. Ouais, vous voyez un peu la différence. Je voulais pas faire aussi foncé partout, donc je sais que ça va s'estomper au lavage. Peut-être ça va virer au vert cacadois. On verra bien. J'ai envie de vous dire au point où j'en suis. Je suis pas du tout apprêtée, enfin je me suis maquillée un petit peu quand même pour essayer que ça passe mieux. Je suis pas encore habillée parce que là j'étais en train de ranger la maison, un petit peu de repassage, etc. Et donc
Je vous montre. Je vais vous montrer genre la chambre de Théa que je vais ranger parce qu'ils sont partis en vacances et que j'ai trop de mal à voir ma face comme ça. Ils sont partis en vacances et j'ai encore pas eu le temps de me poser à la maison et de ranger. Donc là on est mercredi quand même. Il serait peut-être temps que je m'y mette. La chambre de Théa est dans un sacré état. En plus je voulais vraiment tout. Bon, le Théa, j'ai fait les volets, les fenêtres externes la dernière fois, vous vous souvenez, donc ça va. Les poussières, enfin c'est juste rangé et trié, je vais en profiter pour eux. Oui, c'est resté comme ça. Je viens de faire le lit, changer des petits draps propres et tout. Et bah là je suis carrément en train d'aspirer, genre vous savez, dans les tiroirs de jouets, là par exemple dans le lit de bébé, il y a un petit peu de poussière qui se met, etc. Des petits cheveux, des poils, tout ça. Donc j'aspire. Et puis voilà. Avoir des chambres propres et bien rangées jusqu'à leur retour samedi, qui finalement va arriver suffisamment rapidement puisque je suis assez occupée. Bah tout le monde est déjà mercredi et j'ai pas encore eu un instant pour être posée à la maison comme là aujourd'hui. Donc voilà. Hier c'était l'anniversaire de mon papa. Et en fait il était très malade. Et ce matin il a été emmené. Ce matin, je sais pas trop, mais ce matin il est à l'hôpital, j'attends des nouvelles là de ma mère. Il se fait opérer, il a fait une crise d'appendicite aiguë pour ses 55 ans. C'est génial. Je pensais pas vraiment, moi dans ma tête, c'était l'appendicite, c'était quelque chose qu'on faisait quand on était. Enfant, jeune, j'étais persuadée, je me rappelle toute ma vie avoir été contente à mes 18 ans, je me suis dit j'ai pas eu l'appendicite, j'ai pas été opérée, je l'ai pas eu, et en fait on peut l'avoir toute notre vie. Donc voilà, j'attends des nouvelles, j'espère qu'il va bien. Enfin genre, bon, c'est juste une appendicite, hein, vous me direz, mais pas du tout l'habitude de voir mon père mal ou quoi, bah, à ce point-là, c'est que vraiment, bah, en même temps l'appendicite. Enfin bref, voilà, juste pour vous le glisser quand même, parce que je sais que ma soeur l'a dit sur Insta, et j'ai reçu quelques messages du coup en mode on sait pour ton papa, alors moi j'avais rien dit, mais du coup bah vous avez vu sur ma soeur, donc on a le même père, hein. Voilà, donc bon, je me dépêche parce que là dans une heure je décolle, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Ça fait 6 ans que j'ai pas vu le dentiste, j'ai très peur, c'est pas... D'habitude j'y vais tous les ans. J'y allais tous les ans, quand on était chez nos parents, enfin tous les ans on y allait pour un contrôle, un détartrage, etc. La dernière fois que j'ai vu le dentiste, si je dis pas... Ah non, je dis des conneries. J'allais dire, la dernière fois que je l'ai vu, j'étais enceinte d'Ethane. Mais non, je crois que je l'ai peut-être revu. Mais bon, ça fait quand même bien 5 ans. J'ai jamais eu de carie de ma vie ni rien, donc j'avoue, j'ai un petit peu peur là que du coup, comme il y a eu tout ce temps où j'y suis pas allée, d'avoir une carie. J'ai trop peur, et surtout c'est qu'il faut que j'enlève tous mes... Ma soeur m'a dit il fait une radio de contrôle, mes piercings, mais alors les boucles d'oreilles, j'espère que je vais y arriver avec mes ongles parce que j'y arrive pas, j'y arrive pas trop, et mon piercing de nez, bon le piercing de téton normalement bah, je peux pas l'enlever, donc si je peux pas l'enlever bah, il me fera pas de radio, hein. Et si jamais bah, j'ai enlevé tous mes piercings, je vais passer chez Claire's me racheter autre chose pour les changer, et peut-être changer le piercing de nez puisque j'aurai tout retiré, c'est l'occasion. Voilà, bref, donc la chambre de Théa avant, après. Tadam, vous la voyez avant, et normalement avec la magie du montage, je fais ça, je sais vous claquer les doigts de tête, non, j'ai la barrette dans la bouche. Ah, j'ai plus de... je peux plus filmer. Alors écoutez, je vous reprends, on est le lendemain, aujourd'hui c'est jeudi, on est en fin de journée déjà, j'ai rien foutu de ma journée. C'est trop bizarre de me revoir brune comme ça et pas quand je suis pas genre maquillée et tout. Bon, bref, je sais plus si je vous ai montré la chambre de Théa hier. Bref, vu qu'on avait plus de place, donc la chambre est toute rangée, nettoyée. Oui, non. C'est hier que j'ai acheté des trucs aux enfants. Je sais plus, bref, j'ai mis sur leur lit. Je vous le disais, je crois, mais ça c'était sur le live que je vous l'ai dit. J'ai trouvé des petites boucles d'oreilles comme ça chez Claire's. En fait, oui, hier j'avais rendez-vous au dentiste. Je suis essoufflée, faut que je me calme. Et du coup, il m'a fait retirer tous mes piercings, boucles d'oreilles pour faire une radio. Parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Bref, tout va bien, j'ai absolument rien. Et j'ai pas réussi à remettre le piercing dans mon nez parce que c'était un anneau et il était tout difforme à force de l'enlever et le remettre. Donc je suis allée chez Claire's et il y avait une promo 3 achetés, 3 offerts sur les bijoux. Donc j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles-ci. Vous voyez rien, c'est génial, on adore. Bref, ça me saoule, je sais pas pourquoi ça focus pas, mais c'est deux petites boucles d'oreilles qui sont attachées ensemble par une chaînette. Donc j'en ai mis là, je crois que je vous l'ai déjà dit, ou c'est dans le live, je sais plus. J'ai pris une paire pour Théa, j'ai pris des chaussures, il y avait des petites promos. J'ai eu à moins 50 des sandalettes, parce qu'en fait les sandalettes je vais acheter au mois de mai, je crois, quand il a fait beau. Et du coup elles sont trop petites, d'ailleurs je lui ai pris celle-ci.
À la base, sur Insta, je vous ai dit que je voulais les prendre en ballerine pour la rentrée. Puis là, bon, bah, comme il va peut-être faire beau avec des chaussettes, ça passera. J'ai l'impression que ça fait des pieds immenses. Donc j'ai pris ça, je les ai eus à moins 50. Et j'ai pris une paire pour Ethan pour la rentrée parce que lui, des sandales comme ça, il en a. Donc voilà, j'ai mis ça sur son petit lit. Chez Ethan, j'ai commencé à ranger, mais j'ai pas trié tout ce qui était les jouets au lieu de ranger en vrac dans les battes. Dans les battes. Dans les bacs. J'ai fait un mélange entre bac et boîte. Je voulais trier, donc je vais faire ça genre ce soir. Où est-ce que j'ai mis ces chaussures à loulou? Là. Ethan, alors il a déjà une paire de... C'est des espèces de Vans, mais qui ne sont pas de la marque Vans, pour la rentrée que j'ai pris. Et là, il y avait une promo, elle était à 23 au lieu de 35, j'ai pris les... Je crois que ça, c'est les Teddy Smith. C'est trop surexposé, vous ne voyez rien du tout. Elles sont en 28, j'espère que ça va lui aller. J'ai l'impression que ça fait petit par rapport... Bon, écoutez, on verra. Enfin, non, je vais les laisser sur le lit, il faudra qu'il les essaye, bien évidemment. Et oui, je ne vous ai pas montré aussi, quand j'étais avec Jab à But, j'ai pris ce coussin. Pas lui, là, avec le nez en zizi, là. Mais attendez. J'ai pris celui-ci qui vient de chez But, et bah lui aussi, je crois, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, là, ça fait joli. Il a deux oreillers qui sont magnifiques. Il a ce doudou que j'aime d'amour. Et voilà, ça fait une jolie tête de lit, je trouve. Et donc pour moi hier chez Pinky je me suis prise ça parce qu'en fait comme j'ai mes cheveux bruns je voulais quelque chose qui... Je sais pas, j'avais besoin de nouveaux vêtements pour... Parce que j'ai du mal avec mes cheveux quoi. Donc j'ai pris ça, je trouve ça super mignon, 8 euros, enfin 7,99, 8 euros quoi. À porter avec un short taille haute ou quoi. J'ai pris ça. Voilà, tout simple, basique, mais je trouve du coup ça fait bien avec les cheveux, non bref. Et pour les enfants j'ai reçu une commande que j'ai passé sur le site Reserved. Reserved, ça faisait plusieurs fois que je voyais passer les pubs et j'ai voulu tester. C'est une marque anglaise, hein, je pense, ça me fait penser à Next. C'est incroyable, il y a beaucoup de bordel derrière. La qualité est incroyable. Donc j'ai pris pour Ethan un t-shirt comme ça que je trouve canon. J'ai pris des grandes tailles. Hein. C'est du 6-7 ans, mais ça taille grand les tailles anglaises. Donc voilà, je trouve ça canon. Ensuite, je lui ai pris celui-ci. Il est sympa. Et après, c'est pour Théa. J'ai l'impression, par contre, là, que ça fait petit, 3-4 ans. Je trouve que c'est un petit peu petit, peut-être parce que je me souviens plus. J'ai l'impression de l'avoir plus grande qu'elle ne l'est. Donc, je lui ai pris ça. Des petits t-shirts comme ça, parce qu'en fait, elle n'en avait pas énormément. Ça, ça va parfaitement aller avec ses boucles d'oreilles. En plus, je suis trop contente. C'est trop mignon. Je lui ai pris... Après, j'ai pris du 2-3 ans, là. Ça me paraît vachement plus petit. Peut-être ça lui ira pas. Mais c'est pas très grave. J'ai pris ça, mais c'est pareil, c'est du 2-3. Si c'est trop petit, ça ira pour Juliette parce qu'il est trop beau et elle adore. Juliette, elle adore le Roi Lion. Ensuite, j'ai pris un leggings que je trouvais original comme ceci. Il doit être en pantacourt du coup, retroussé là. Et là, je me suis foirée, j'ai pris du 11 ans. Genre, je sais qu'il restait la dernière taille qui restait, mais j'ai pas vu que ça correspondait à du 11 ans. Donc, c'est magnifique, c'est très beau. Mais je vais voir si jamais je peux la renvoyer gratuitement, je la renvoie, sinon je la mettrai sur Vinted parce que s'il faut payer des frais de livraison, etc. Voilà, mais je la trouve magnifique, mais c'est du 11 ans. Donc je l'ai vu un petit peu large là pour le coup. Voilà, au niveau des dépenses que j'ai faites. Et mais je crois que je vous ai déjà montré des trucs hier. Bref, là je m'apprête à aller, j'ai un colis à déposer, un autre à récupérer en même temps. Et je vais porter le nouvel aspirobot chez mes parents et puis peut-être on va pouvoir le mettre en route chez eux, ça serait top, donc voilà. Du coup, l'aspi est arrivé. Ah mais elle va pas bien celle-là. J'ai eu peur, il est assis à l'extérieur. Ah. Donc, l'aspi est arrivé chez mes parents. Et ici, c'est le réservoir. Parce qu'en fait il s'auto-vide. Donc c'est à dire qu'il aspire dans la maison et une fois qu'il rentre à la base elle aspire pour le vider. Et ça, il y a besoin de le vider genre une fois par mois. C'est stylé, hein. Ça fait du bon, on va vous montrer. Est-ce que vous n'avez pas mis l'application encore? Faudra... Ouais. Faudra le mettre en français aussi. C'est qu'à chaque fois, ça c'est son devant du coup, à chaque fois je comprends pas où est l'avant, où est la tête, où est le cucu. Il passe là-dessous? Ah oui. Voilà. Par contre il est plus costaud que l'autre parce que regarde il bouge mon... Ouais. Ta nièce, cousine, ta cousine. Viens t'asseoir un peu, papa. Ah, il passe là-dessus. Ah, bien. Ah, il a des grosses roues en même temps. Vas-y, il y a une mouche morte là. Ben oui, il va chercher la mouche. Alors, s'il la prend. Il l'a eu. Non, là, si t'as pas mis la lavette. Sinon, il peut laver et aspirer, mais elle a pas mis.
Les deux cochons. Oh, il me roule sur les pieds le mien. Oh, Chaya, pousse-toi. Oui, regarde. T'as comment, il s'autovide pas, toi? Non. Ah bah, il rentre, mais il rentre à l'envers, là, le con. Mais non, attends, il va faire... Ah, il tourne. C'est vous deux. En fait, il y a un sac à aspirine dedans. Tu les changes, les sacs. Ah, c'est les mêmes sacs que... Okay, non, mais ouais, ils en ont vendu. Enfin, il y en a de fois. Tu peux retirer? Je sais pas, tu les... Ouais. Allez, go, filet. Prends une capote.